La Hope Medical Clinic à Abidjan a ouvert l'édition 2024 de sa campagne annuelle de santé ce vendredi 18 janvier 2024, en son sein incise à Marcory. Nous sommes dans notre clinique, la Hope Clinic de la CMCI Côte d'Ivoire. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur qui a amené ce jour à l'existence. Nous avons été très bien accueillis par le personnel médical que nous avons trouvé ici. Ils nous ont vraiment reçus avec beaucoup d'empressement et ils sont d'arrache-pied pour que tous les missionnaires soient satisfaits. Pour cette première étape consacrée aux missionnaires nationaux, 150 missionnaires ont effectué leur bilan de santé avec au programme le bilan sanguin, l'électrocardiogramme, la consultation ophtalmologique et l'examen d'hépatite virale. Je suis Dr Bey, médecin résident à Hope Medical Clinic. Et nous sommes à la campagne de bilan de santé prévue par l'Église. Et au cours de cette campagne-là, je suis chargé du service de prise de constance. Voilà. Donc tous les frères et sœurs, les missionnaires passeront ici pour la prise de constance. Nous prenons le poids, la tension artérielle, le pouls, la fréquence respiratoire et aussi la température si nécessaire. Après cette étape, ils seront envoyés à l'étape de prélèvement pour la prise de sang, pour l'examen biologique. Et si c'est la troisième étape, les frères viennent après les avoir enregistrés, ils viennent, ils prennent la tension, le poids. Et ensuite, ils viennent vers nous pour qu'on puisse les prélever pour les examens de sang. Voilà. Et après, ils montent les escaliers pour aller pour l'ECG et puis l'ophtalmo pour la vision. Ici, c'est le service de l'ophtalmologie. Nous commençons d'abord à recevoir les frères par la salle d'acuité visuelle. Les frères lisent d'abord et après la lecture, nous les recevons ici pour faire l'examen du segment antérieur avec cet appareil qu'on appelle la lampe à fente. Voilà. Et après l'examen à lampe à fente pour voir le segment antérieur, pour dépister tout ce qui est pathologie comme les pterygions, les dystrophies corniennes, nous allons utiliser un second appareil qui est l'ophtalmoscope. Celui-là va nous servir à faire le fond, à voir le fond de l'œil. Voilà, au niveau du glaucome, au niveau de tout ce qui est neuropathie. Et c'est après cela que nous allons faire des recommandations pour ceux qui doivent porter des verres ou pour faire des examens éventuellement. Nous sommes dans la salle de CG. Le CG, c'est l'électrocardiogramme. Comme nous l'avons précisé dans le bilan qui devait être fait, il sert à détecter toute anomalie sur le cœur. Et avec lui, on pourra avoir une traçabilité, à savoir si le patient a une anomalie sur le cœur, avant de pousser les résultats un peu plus haut. Organisé par la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire en collaboration avec FESIDEV Côte d'Ivoire et la Hope Medical Clinic, cette campagne de santé au tarif social est une extension du ministère pastoral du pasteur Boniface Meunier qui vient ici veiller à ce que chaque missionnaire confronte les défis de cette année 2024 avec une âme et un esprit sain dans un corps en très bonne santé. Nous sommes ici parce que le pasteur Meunier Boniface, qui est notre leader national, nous a recommandé de faire nos bilans de santé avant de rentrer sur nos champs de mission. En effet, nous sommes là depuis le 12 janvier pour notre retraite annuelle avec lui. Et il a bien voulu que nous venions dans nos locaux sanitaires pour faire nos bilans de santé, pour voir l'état de santé de chaque missionnaire afin de pouvoir continuer à servir sans difficulté. Délégué par le professeur Cyprien Kouakou, directeur général de la Hope Medical Clinic,
Le docteur Nathaniel Babatunde, coordonnateur de cette campagne, nous en donne de plus amples détails. Cette campagne de santé a été donc organisée dans le but de dépister de façon précoce certaines maladies qui pourraient circuler parmi les missionnaires. Donc à cet effet, nous avons recherché l'hypertension artérielle à travers les prises de constantes. Nous avons fait les prélèvements de sang, notamment la recherche du diabète à travers la glycémie. Nous avons recherché les troubles ioniques, les troubles des électrolytes à travers l'ionogramme sanguin. Nous avons également recherché au niveau du sang. Nous avons recherché les troubles liés au calcium, au magnésium, les hypocalcémies, les hypercalcémies, c'est-à-dire les augmentations de calcium, de magnésium ou les diminutions de magnésium, de calcium. Nous avons également recherché l'état, apprécié l'état du rein, le bilan rénal, et nous avons profité pour rechercher l'hépatite B. Et nous avons procédé également à d'autres examens qui sont donc dans le paquet que nous avons offert cette fois-ci au cours de cette campagne de santé. Alors comme je le disais, nous avons décidé d'avoir une attitude proactive, d'aller à la recherche, d'aller surveiller la santé de nos missionnaires et d'aller checker pour voir s'il y a une pathologie qui est en herbe qu'on pourrait dépister et traiter le plus rapidement possible. Et c'est l'intérêt donc de cette campagne. Notons que la deuxième étape de cette campagne de santé, ouverte cette fois-ci à toute l'église, se tiendra du 5 au 11 février 2024, toujours dans les locaux de la Hope Medical Clinic.